Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je profite du début de celle-ci pour souhaiter Ramadan Mubarak Kerim à tous mes musulmans qui le font. J'espère que ce mois va réussir à remplir votre cœur de foi et de joie et force à tous ceux qui le traversent tout seuls. On connaît la difficulté que c'est, vous êtes dans nos pensées. Ça fait quelques temps que je vous avais pas fait une vidéo storytelling. Vous savez que ça fait partie de mes préférés, surtout quand ça concerne un sujet qui me fait kiffer. Et parmi les sujets qui me font kiffer, il y a les moyens de transport. C'est un petit peu en lien aujourd'hui, mais parmi les moyens de transport, ces derniers temps, j'ai regardé beaucoup de vidéos et par exemple, j'étais tombé sur une vidéo, comment est-ce qu'une compagnie aérienne gère tous les repas qui sont servis chaque jour dans ses avions? Ou alors, par exemple, comment est-ce que est construit 1 km de train? Ou alors, quelles sont les lignes de car les plus dangereuses? Typiquement, celles en Amérique du Sud, celles qui vont dans la cordillère des Andes, ces endroits comme ça. Bref. Quand vous êtes en Chine et que vous êtes une personne puissante, quelle que soit votre réussite, votre argent, votre influence, si vous vous tournez contre le gouvernement, ça va mal se passer pour vous. Et Jack Ma en a fait l'amère expérience récemment. Jack Ma, c'est le fondateur d'Alibaba, l'équivalent chinois d'Amazon, d'accord? On le connaît en France pour AliExpress avec ses articles pas chers et ses babioles contrefaites, mais il y a également le site Taobao.com qui est un site de vente aux enchères, d'accord, qui a fait le buzz en 2017 en Chine quand une compagnie aérienne a mis en vente deux de ses Boeing 747 sur le site. Oui, il était possible de poser une enchère pour ça. Des millions de Chinois ont suivi ça et vous doutez bien, c'est parti pour très cher. Donc Jack Ma a quitté Alibaba en 2019 et un an plus tard, lors d'une conférence à Shanghai, il se dit tiens, je vais me laisser aller, je vais critiquer le gouvernement chinois et notamment une partie de sa politique. Même pas sa politique extérieure ou quoi, juste une partie de sa politique. Ça n'a pas plu. Résultat, Jack Ma a disparu et revenu quelques mois plus tard en étant bien entendu très mielleux envers le gouvernement avant d'à nouveau disparaître tout en ayant un petit peu démissionné de l'école de commerce qu'il tenait. Voici l'exemple même de ce qui peut vous arriver en Chine si vous êtes contre le gouvernement chinois. J'ai utilisé cet exemple comme préambule de l'histoire pour vous illustrer à quel point le gouvernement chinois était un gouvernement totalitaire, d'accord, qui fait passer des lois sans faire forcément voter son parlement, qui éteint très rapidement toute forme de contestation et de manifestation, qui peut essayer de recueillir des voix des députés en essayant de donner des petits cadeaux et des avantages. Ah non, merde! Putain, non, désolé les gars, je me suis trompé de script. Ça, c'est la France d'Emmanuel Macron. La Chine, c'est encore pire en termes de totalitaire. C'est quasiment tout ce que je viens de raconter, sauf que c'est le même parti depuis X temps. Et en plus de ça, la Chine est devenue tellement puissante à un niveau international, elle produit tout pour tout le monde, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, exemple les Ouïghours, et on n'a malheureusement pas grand-chose à faire en contrepartie parce qu'ils tiennent nos couilles dans leurs mains. Résultat, en Chine, c'est très dangereux d'être un entrepreneur à succès parce que plus tu gagnes d'argent, plus tu es important, plus tu es important, plus tu es influent, plus tu es influent, plus tu as du pouvoir, plus tu as du pouvoir, plus le parti va te surveiller et faire en sorte que tu sois dans ses bonnes grâces. Et c'est là où ça me permet d'introduire l'un des principaux personnages de cette histoire, monsieur Chang Wei. Chang Wei, c'est un jeune chinois et originaire de Changchi qui est parti faire ses études à Pékin il y a quelques années, où il a eu son diplôme à la prestigieuse Beijing University of Chemical Technology. Après avoir eu son diplôme, il quitte Pékin et devient d'abord assistant d'un directeur dans une entreprise ultra prestigieuse qui réussit à faire de grandes choses en Chine. C'est une entreprise de massage de pieds. Oui, Zero Van, c'est une entreprise qui masse des pieds et pas avec les poissons, mon pote. Avant de rejoindre finalement Alibaba en 2005, où il passera 7 ans. 7 ans plus tard, il quitte Alibaba pour lancer sa propre société, la Beijing Chaohu Technology, qu'on va dire BXT. D'ailleurs, on va même plus en parler de la vidéo, elle est même pas intéressante. Mais c'est une entreprise qui a un but, celle de lancer une application en 2012 qui verra le jour en 2014. Cette application s'appelle Didi. Didi, c'est la version chinoise de Uber, la célèbre application de VTC. Le but premier de Didi, c'est de concurrencer Uber en Chine. La Chine, je te fais pas un dessin, c'est un marché colossal, 1,4 milliard de personnes, 300 millions d'utilisateurs de VTC, 33 millions de courses quotidiennes chaque jour. C'est un marché absolument énorme qui intéresse beaucoup de sociétés, dont Uber. Et pour Didi, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire pour concurrencer Uber? Ils ont essayé de concurrencer Uber sur deux plans. Le premier plan, c'est le plan des fonctionnalités. Ils ont essayé de se démarquer en offrant des fonctionnalités que Uber n'offrait pas au moment où ces derniers étaient en Chine, comme par exemple, pour une femme, la possibilité de commander une course auprès d'une chauffeuse pour éviter d'être mélangée, pour peut-être des raisons sécuritaires. Je pense qu'en Europe, aux États-Unis et autres, on a eu beaucoup d'exemples de courses Uber qui se sont mal passées pour des femmes. En Chine, Didi a essayé de remédier en ça en permettant à des femmes, comme je vous l'ai dit, de réserver des courses auprès d'une autre femme. Autre exemple, en intégrant très rapidement les taxis classiques au sein de son application. Ça a permis justement d'éviter la concurrence VTC taxi et justement de se les mettre un petit peu dans la poche et d'avoir donc une plus grande gamme
gamme de chauffeurs. Typiquement, sur Didi, t'avais un chauffeur plus rapidement que sur Uber Shine. Hein. Donc là, on est sur les fonctionnalités, je vous parle de technologie, mais je suis un peu un hypocrite parce qu'en réalité, ce qui a surtout fait la différence, c'est le reste. Didi a réussi à prendre une avance colossale sur Uber en Chine grâce à de légers coups de pouce du gouvernement chinois exempt. Quand le gouvernement chinois a compris en 2014 l'intérêt d'avoir Didi, ils ont tout fait pour faire en sorte que Didi réussisse. Typiquement, le gouvernement chinois a mis à disposition pour Didi près de 2 milliards de dollars pour son développement. Disons qu'avoir 2 milliards de dollars pour développer, c'est un coup de pouce qui te permet de te mettre bien directement et a aidé à organiser la première levée de fonds de Didi où de nombreuses entreprises chinoises ont investi. La première levée de fonds de Didi a levé près de 7 milliards de dollars et a vu des acteurs comme par exemple Tencent ou Alibaba mettre des sous dedans, mais aussi Apple. Voilà, Apple a mis 1 milliard dans Didi, c'est comme ça, c'est offert. L'existence de Didi, c'était une aubaine pour le gouvernement chinois parce que avoir une entreprise locale qui concurrence une entreprise américaine, c'est tout bénef pour eux et encore plus pour leur territoire. On rappelle que la Chine, ils ont toujours préféré avoir leur propre version des applis internationales. Typiquement, ils ont leur propre Twitch avec Douyu TV, Ouya TV et compagnie. Ils ont leur propre YouTube avec Bilibili. Ils ont leur propre Messenger avec WeChat. Donc avoir Didi, c'était vraiment un cadeau pour eux. Leur but étant bien évidemment de contrer le soft power américain et de préserver les Chinois de l'influence américaine. Résultat des courses, en 2016, le CEO d'Uber, il fait une interview où il dit, c'est simple, nous en Chine, donc la division Chine de Uber, perd 1 milliard de dollars par an, 80 millions de dollars mensuels. Et là, vous dites, mais comment ça se fait que tu puisses perdre autant d'argent? Bah c'est simple, pour faire de l'acquisition, Uber était obligé d'essayer d'offrir des courses à des prix très bas pour le client, mais où le chauffeur récupérait quand même pas mal d'argent, en offrant également pas mal de courses gratuites, toutes les X temps pour les utilisateurs, en offrant des codes de promo et consorts. Tout ça, ça fait perdre de l'argent, sachant qu'en plus, il y a des petits malins qui en ont profité pour faire de la fraude. Il y a des Chinois qui ont inventé un système qui m'a fait trop rire. Il y avait des Chinois qui réussissaient à choper plusieurs cartes SIM, donc plusieurs numéros pour pouvoir faire plusieurs comptes. Avec ces comptes-là, ils faisaient des courses gratuites auprès du même chauffeur. Donc ils étaient limite à côté du chauffeur, le chauffeur acceptait, tout ça machin. Le chauffeur se faisait des thunes avec des courses fantômes, il changeait de carte SIM, il refaisait une course, le chauffeur se refaisait des thunes et il partageait le bénéfice avec le gars qui avait chopé, enfin qui avait fait la course à la base. C'est un système tout simple mais qui a permis de faire en 2015 près de quoi, 35 000 courses ont été estimées frauduleuses cette année-là et ont fait perdre beaucoup d'argent à Uber. À ce milliard de dollars perdu, on y ajoute que Uber n'était pas présent sur WeChat, l'un des principaux stores chinois. Didi a également payé des ingénieurs pour qu'ils s'infiltrent Uber China et réussissent à choper des informations confidentielles. Bref, c'était un combat de boxe où Didi avait des parpaings dans les gants. Autant te dire que c'était très déséquilibré et Uber a vite lâché la grappe. Résultat, quelques temps plus tard, Didi a racheté la branche Uber China pour un petit milliard de dollars et Uber Monde est rentré au capital de Didi à hauteur de 18%, à peu près un cinquième. C'est quand même passionnant, genre Uber China se fait racheter par Didi, Uber Monde rentre dans le capital de Didi, c'est une sorte de petit comme ça. Donc à ce moment-là, Didi n'a plus de concurrents en Chine, Didi a la voie libre à des centaines de millions d'utilisateurs, a récupéré tous les clients d'Uber et super bien et a des plans pour son expansion. Typiquement, Didi a vu son expansion en Europe se faire via Taxify, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Bolt, l'entreprise estonienne, d'accord, que j'utilise moi, mais perso, j'aime bien Bolt, mais par exemple, ils ont foutu 175 millions pour le développement de Bolt et réussir à avoir des parts et donc un pied en Europe. Ils ont également mis des sous chez plein d'autres applications similaires, par exemple aux États-Unis comme Lyft et autres, mais la suite logique serait, et en tout cas c'est ce que Shang Wei a voulu faire et a vu pour son entreprise, c'est une introduction à la bourse américaine. Shang Wei se dit un truc simple, si ça a marché en Chine, il faut absolument qu'il s'exporte à l'international afin de concurrencer Uber, mais dans le monde entier. L'intérêt de faire rentrer BXT et donc Didi en bourse sur le marché mondial, c'est celui de récolter des investissements privés venu d'ailleurs, de gagner de l'argent et ainsi d'avoir le budget nécessaire pour pouvoir se lancer partout. Sauf qu'à ce moment-là, ok, on est aux environs de 2019, 2020, 2021, bref, dans ces eaux-là, et le gouvernement chinois, il temporise. Il leur dit, attendez, s'il vous plaît, on est sur des raisons de sécurité, là, n'y allez pas tout de suite à la bourse américaine, attendez qu'on vous dit que c'est ok. Sauf que Shang Wei, à ce moment-là, il ne entend pas de cette oreille et il décide quand même de réaliser sa levée de fonds à New York. Sauf que, petit problème, il a choisi le timing possible. Il y a un adage en Chine qui dit, pour les entreprises, d'ailleurs c'est pas que en Chine, c'est un peu partout dans le monde, même des enfants utilisent cet adage, mais en Chine c'est particulièrement vrai, mieux vaut demander pardon que demander la permission. Donc vaut mieux faire le truc où tu penses qu'on va te le refuser et au pire si on te taille après, dire excusez-moi je savais pas mais voilà c'est fait, fait accompli, plutôt que dire est-ce que je peux, que tu te manges un nom et si tu le fais là t'es vraiment dans la grosse merde. Sauf que comme je vous l'ai dit, Didi a choisi le pire timing possible. Donc Didi va réaliser son introduction en bourse américaine en grande pompe.
pompe, grandes annonces, beaucoup de levées, 16$ je crois l'action, un truc comme ça, machin, tout se passe bien, sauf qu'ils l'ont fait sur le timing où le gouvernement chinois a décidé de faire et de lancer de multiples enquêtes envers tous les acteurs de la technologie chinoise. Tencent va y passer, Alibaba va y passer et donc Didi va y passer. Qu'est-ce que la Chine a voulu faire avec ça? Vérifier comment étaient utilisées les données des utilisateurs chinois pour les sociétés chinoises qui se sont étendues à l'international. En gros, pour le gouvernement chinois, voir Didi se lancer à Wall Street, ça signifiait une potentielle perte des informations confidentielles récoltées par l'application chez ses utilisateurs en Chine. Résultat, des enquêtes vont se lancer, le gouvernement chinois va alors accuser Didi de violations graves de la réglementation en matière de collecte de données des utilisateurs, et à partir de ça, alors qu'ils les ont soutenus à hauteur de 2 milliards quelques années auparavant, ils vont faire couler l'application. Pour commencer, ils vont supprimer Didi de toutes les plateformes de téléchargement d'applications en Chine. Ils l'ont pas supprimé tout court, ceux qui l'avaient déjà pouvaient encore l'utiliser, mais on ne pouvait plus la télécharger. Résultat, bah ton cap d'utilisateur, il augmentait plus. Ils vont multiplier les sanctions, les amendes, les restrictions, et tout ceci va avoir un effet dévastateur sur Didi. À la bourse américaine, la valeur de l'action de Didi va s'effondrer de 44% sous tous les effets d'annonces de sanctions, etc. de la part du gouvernement chinois, et ça va forcer Didi à, au bout de quelques mois et en un temps record, se retirer du marché américain pour retourner à la bourse de Hong Kong. Mais ce n'est pas tout. Didi, en conséquence, va devoir licencier une partie de son personnel, près de 20%, va voir sa part dans le secteur, donc sa part de marché dans le secteur de covoiturage en Chine, s'effondrer, passant de 90%, donc il y avait quand même du monde, à 70%. Ils vont devoir suspendre leur activité dans d'autres pays voisins ou régions voisines, comme Hong Kong, le Kazakhstan, etc. Ils vont devoir rester en Russie, alors qu'ils avaient prévu de s'enlever parce que des nationalistes chinois leur disaient, en fait, si vous partez de Russie après la guerre, ça veut dire qu'en fait vous êtes des gros suceurs d'Occident, tout ça machin, donc le faites pas, donc ils sont restés en Russie alors que là-bas ils perdaient plein de thunes. Et en cette année 2022, 3 mois après avoir vu son cours se cracher, les résultats de l'enquête, je suppose impartiale, menée par le PCC vont tomber, donc menée par l'administration chinoise de la cybercriminalité vont tomber, et Didi va être condamné à 8 milliards de yuan d'amende, soit 1,2 milliard de dollars. Shang Wei ainsi que l'autre président de Didi, John Liu, vont être condamnés à une amende de 150 000 $ chacun pour les mêmes raisons, à savoir vol de données privées des utilisateurs. L'empire de Didi a subi un coup massif. Un coup massif, et je pensais personnellement, en ayant regardé et préparé cette vidéo, que c'était la fin. Sauf qu'en allant checker un petit peu un update en mode c'est totalement mort ou c'est quoi, pas totalement. Ça a été un coup énorme, mais Didi possédait quand même beaucoup de parts de marché, des liquidités, et a essayé de faire ce qu'il faut faire dans ces cas-là, à savoir montrer patte blanche et montrer de la bonne volonté. Et à force de montrer patte blanche, ou alors on pourrait dire vulgairement de sucer un peu, notamment en retournant à la bourse de Hong Kong, en se retirant des marchés internationaux, en restant sur le marché chinois et en essayant de corriger petit à petit les choses et en payant leurs amendes, le PCC, le gouvernement chinois, les a un petit peu lâchés. Résultat, il y a quelques semaines, ils ont été à nouveau autorisés sur les App Store chinois. Autant te dire que je pense que leur envie d'expansion, là, oulala, ils ont plus trop envie d'un international, on va se contenter du marché chinois, c'est déjà très bien, hein. Et voici l'histoire de Didi, du coup, une entreprise qui a été valorisée jusqu'à 30 à 35 milliards de dollars, qui s'est retrouvée dans la barbe à merde, qui a perdu des sommes absolument colossales et énormément de pouvoir, en étant juste tordue en deux par le gouvernement qui a décidé de sa vie au moment d'investir dedans, et de sa mort au moment de les shutdown complet, et qui essaye de se remettre petit à petit. Ça vous montre la force et réellement tout ce que le PCC est capable de faire, et je trouve ça passionnant, c'est un sujet passionnant, alors qu'en plus en ce moment il y a TikTok et tous ces dirigeants qui sont en train de se faire interroger au congrès aux États-Unis, avec les États-Unis qui essayent justement de faire l'inverse de Didi, en mode empêcher justement les entreprises chinoises de trop venir prendre des données des utilisateurs américains et de pouvoir les envoyer en Chine. De toute façon, au fond, il y a beaucoup de géopolitique, le conflit américano-chinois, sino-américain en toile de fond, régit un petit peu toutes ces enquêtes, toutes ces envies et toutes ces envies de protection, et c'est super passionnant. Je sais que la Chine et les États-Unis ont déjà pris des sanctions contre sanctions les uns contre les autres, s'opposent de partout, à Taïwan, en Russie, tout ça, et c'est de toute façon les deux plus grosses puissances mondiales, et donc du coup ça donne une vidéo absolument passionnante, et je trouve que c'était super intéressant de regarder un petit peu ça. Didi, bah écoute, je vous souhaite que ça aille mieux, hein, y a pas réellement de raison de vous souhaiter du mal, et j'espère quant à vous que cette histoire vous a diverti, et que vous êtes rendu compte un petit peu de la réalité des choses, et notamment de la puissance du PCC. C'était pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez une autre histoire, n'hésitez pas à faire des suggestions dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.